Et voilà, coup de pied de Jonathan Ford. C'est la première tenue pour Widnes. Ça chauffe sur la ligne. Ça joue très vite, oui. Coup de pied. Et peut-être le premier essai du match. À gauche, marqué par Toulouse. Et c'est Toulouse Olympique qui mène 4-0. Oui, la vitesse de jeu. Devant la Poitou. Bretherton. Et puis, deuxième essai pour Toulouse. À droite, des belles mains rapides et essai par Mathieu Jussomme. Et c'est 8-0. Cinquième et dernière tenue. Et Sangaré pour la ligne, il plongeait sur la ligne. Et il marquait. Il a inscrit l'essai. Justin Sangaré s'approche, ça chauffe sur la ligne. Encore. Oh, c'est trop facile. Quatrième essai. Inscrit pour Toulouse. Par Andrew Dixon. Ouais, une fois de plus la vitesse et il laisse beaucoup de place autour du rock et des 1 contre 1 près de la ligne. Il reste deux tenues, je crois. Ford encore. Changement de direction. C'est facile. Et Dixon encore. Deuxième essai du match pour Andrew Dixon. Oui, ça fait surprendre sur le changement de direction là. Et un décalage. Dixon qui en a profité. Attention, Marion. Et, voilà. Et puis Jossomme. Option à droite, il a arrêté. Et puis il a entré. Essai par Jai Hitcox. Et c'est encore Toulouse. Bien joué. Tout. Juste avant la mi-temps, je venais de le dire, ils ont tenté. Et ça a réussi. 3-0. Voilà, I thought the chance had gone. Very good try, just before half time. Très facile à la pause pour Toulouse. Des essais par Dixon. Deux essais de Dixon. Sangaré, Jussomme, Lloyd White. Comme la semaine dernière, et Jai Hitcox. 3 sur 6. Ouais, il commence absolument cette seconde alors, période. Tyrese est reparti pour la deuxième période. Et c'est Toulouse qui mène 3-0. Pelissier, il feinte à gauche et puis à droite. Et essai inscrit par Mitch Garbutt. Et Toulouse mène 34-0. Mais joué aujourd'hui ici à Hayward Road, la maison de Swinton Lions. Opportunité pour Vavai. Et puis Flovy. Essai en début pour Jordan Flovy. Ouais, très bien joué. On l'a vu hein. le même play qu'en première mi-temps. Un petit retour inter pour son arrière. Et en première mi-temps, ils avaient marqué le tenu d'après, mais là, le soutien était bien placé. Et puis Ford, avant les Poitou, c'est Garbutt encore. Non, il va du sol. Essaye par Eloi Pelissier. Un grand trou encore. Et Pelissier entre une essai pour Toulouse. Beaucoup de questions posées pour l'attaque là, de Widnes et pour l'attaque de Toulouse. Garbutt et puis Pelissier. Sangaré, non, c'est Jonathan Ford. Option à droite. Et c'est trop facile, c'est 50 points. L'arrière Schomkel avec l'essai. Et Toulouse a trouvé 50 points aujourd'hui contre Widnes. Ouais, la jolie attaque là. De tout à gauche à tout à droite, ça écarte bien. For the rest of my life, for sure. C'est une réalisation de rêve. C'est un rêve, ouais, c'est un rêve qui se réalise de gagner. Ouais. D'avoir eu la chance. Oh, c'est bien fait. Oh, il est très beau. Juste avant le il a plongé sur la ligne. Et il a marqué. Il a entré encore. Deuxième essai pour Eloi Pelissier. Ouais, Eloi, quand même. Et de la chasse pour Toulouse encore. Très bien libéré là. Il y a eu plusieurs libérations de balles. Et ça joue avec de la vitesse. Dixon pour la hat-trick.
Hat-trick pour Andrew Dixon. Et encore un grand trou dans la défense de Widnes. Et un hat-trick. They're trying. Et il a dit qu'il avait le pied à la touche. Oh là là, c'est Toulouse encore. Et puis Palizier pour le hat-trick. Pelissier tout seul. Il va tout seul. Hat-trick. Pour Éloïc Pelissier. Voilà, comme la première mi-temps, c'est Widnes qui aurait pu marquer. Et de l'autre côté, Toulouse qui marque leur essai. Deux hat-tricks, Pelissier et Dixon. Ça va faire 70. Final 10 seconds of what's been an ugly afternoon for Widnes, but brilliant for the blue and whites of Toulouse. Olympique, there's the hooter. Play on. Et c'est fini. C'est parti, c'est fait ici. Et quelle performance, quelle domination de cette équipe de Sylvain Houlez qui a marqué